Allo tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est spécial, parce que c'est le jeu surprise que vous attendez peut-être. Je sais pas si vous l'attendez ou non, mais aujourd'hui c'est le jeu surprise et je sais qu'il y a du monde qui va être content. Et vous vous demandez, c'est quoi le jeu? Et vous voyez mon logo. Ceci est volontaire. Je vais vous dévoiler le jeu. Et le voici. Voici le jeu Roblox. Oui. Et je fais un parc d'attractions avec Roblox. Que j'ai commencé bien évidemment. Avec quelques attractions aquatiques et tout. Ah, j'ai pas fini ça. Le bateau pirate. Oh, oh. On va commencer par terminer ce manège. Ok, ça c'est l'entrée. Bull exit. On peut vraiment construire bien des manèges. Bon, c'est limité un peu quand même. Mais on peut en construire. Wow. Pas mal quand même. Là, je fais le bateau pirate. Là, j'ai acheté le bateau pirate. Je peux construire des montagnes russes et tout. Des affaires aquatiques. C'est ça. Bon, moi, je veux. Il y a de la nourriture. Je vais vérifier si j'ai tout. Les nourritures. Des arbres. Des sols. Si vous voulez creuser ou non, je me trompe pas, faut que j'aille là. Non. Ah ouais, c'est exactement ça que j'ai besoin. Là en ce moment j'ai 6 000 $, 58 personnes. Là, c'est vous qui avez plus de visibilité dans tout le truc qui sont ici connectés. Et je rouvre le manège. Espérons que ça n'aille pas pleurer. Ici ça n'a pas l'air d'être très 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 populaire. Mais il y a quand même du monde qui rentre. Alors je vais baisser. Ouais, est-ce qu'on peut faire ça? Non! Ok. Pourquoi je fais ce jeu? Un peu après la première vidéo de la série de comment bien commencer à Minecraft. Non, ceci, je vais faire ça. Quelqu'un qui m'a posé de faire un tutoriel sur Roblox. Mais Roblox, je le connais pas assez pour faire un tutoriel. Ouais. À part que je peux vous dire que ça, c'est tout ce qui est manège, ça, c'est tout ce qui est mangé, tout ça. Ça, c'est pour ce mode. Sachez qu'il y a beaucoup de modes dans ce Roblox. Il n'y a pas juste ça. Il y a aussi il y a des enfants de McDonald's, tout ça. C'est rempli de petits jeux. Ouh, ça lag. Ouh, que ça lag. Ah, une sauvegarde. Oh, je vais faire un peu manger. Sérieux. C'est avant, ça c'est quoi? Crèmerie. Ça c'est drink. Pour la boisson. 64 visiteurs. Oh, ça va bien. Ici c'est des frites. Ici c'est
sushi. Puis c'est bien d'avoir un environnement propre pour avoir plus de monde. Hey, je passe au-dessus. Bon, qu'est-ce qui me manque? Sushi, hard drink. Suis-tu correct? Oui! Faire ça. Popcorn. Oh, tu fais popcorn. Ensuite, il va rester hamburger. Désolé si ça lag. C'est pas de ma faute parce que c'est un jeu à réseau. Est-ce qu'il est ouvert? On peut jouer avec le prix. Qui est bien. Ça c'est combien? 10$. Ok, c'est pas mal de 10$ que j'ai mis. Ça ne tombe pas me casser la tête, puis de toute façon ça peut être même plus rentable demain. Try. 10$. Tout à 10$. Bon, il n'y a pas de chose. Bon, c'est ouvert dès le début. Tant mieux. J'ai mis pas mal de poubelles pour être sûr. Oh, c'est populaire! Ouh. Ok, je vais faire un tour. Non! Une chose qui est bien, c'est que c'est quand même populaire. Les toilettes. Ils font qu'on va bien aller aux toilettes. Juste avant, je vais faire une petite chose. J'ai tellement mal conçu. Ça un peu. Ouais, on va dire. Petit détail. 8000$, c'est parfait. Avec ce gros lag. Infernal. Non, je suis vraiment désolé. Rendu là. Ah, ça, j'aurais pu mettre cela. Bon, on va terminer ça. Hamburger. Qui est à l'envers. Hey, je me suis encore. Les toilettes sont où? C'est une bonne question que je me pose. J'en ai absolument aucune idée où sont les toilettes. Là-dedans. Il y en a qui ont vu, mais je sais pas où qui sont les toilettes. 76 personnes, 8000$. Je me souviens plus aussi comment qu'on fait pour aller dans un manège. C'est possible. Je sais une fois. 1 000 000$. Qu'une personne a. Allô toi. En ce moment j'ai 2 étoiles. Qui est bien. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Si vous rentrez dans ce manège là, vous devez attendre qu'il se termine. Sinon vous êtes fini. Populaire. J'avoue que c'est populaire ce jeu. 15$, j'ai même pas modifié le prix hein. Imagine si ce serait 10$. Le seul 15$, t'as fait ça. 8$. Tellement populaire. 14$. Je vais le baisser par contre. Et voilà. Oh, l'entrée. Hey. Le parc évalué est à 19$. 19 801$.
Waouh. C'est bon, des bonnes statistiques avec un lag extrême. Qui m'énerve. Oh mon dieu. Eh, on va aller voir ça. Oui, on peut aller voir. Pendant que l'argent monte. Non. Il est pas, il s'est déconnecté. On a même pas à faire grand chose, on a juste à attendre. Je lag ça. Ouais, c'est le lag. Quatre étoiles et demi. Disneyland of Magic. Au secours. mon dieu. Je suis sincèrement désolé. Le pire dans tout ça, je ne filme pas avec OBS. C'est ça qui est pire dans tout ça. Ah, c'est ça. Là. Ah ouais. Ok, l'embarquement est ici. J'ai fait une ellipse, je reviens, je veux voir c'est quoi il contrôle. Et nous sommes de retour cette fois-ci, on est dans le manège cette fois-ci. En compagnie de quelques personnes. Ça a pris un certain temps de... avant que je découvre comment ça... Oh mon dieu, c'est marrant. C'est vrai, ça fait un temps que je comprenne comment ça fonctionne, re-savoir comment ça fonctionnait. En haut, vous voyez une third camera. Ah, oh, c'est F. Oh! Ah, ok, j'ai rien. Ok. Vous voyez en haut, en bas de champion MCL, -S Theme Park. Il y a F. Même affaire pour embarquer. Quand il est là, c'est ce qu'il faut faire. Mais je sais même pas comment mettre des toilettes en dedans. Puis j'ai 20 000 $. Alors nous allons construire un nouveau manège. Pour ça, il va falloir qu'on se mette de même, pas le choix. Bon. Nouveau manège à 12 000 $. Qui est gros. Il est tellement gros. Ceci n'est pas prévu. Vous voyez sa taille. C'est immense! Bah, il nous propose manche, par contre. Du moins, il nous propose immense. Voilà. On voit qu'il était pas si immense que ça. Je sais pas pourquoi. Nous proposer si immense que ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Ça, j'ai prévu le coup. On va prévoir des poubelles. Pas besoin de plus que ça. On va voir combien ça coûte, 16 $. On va laisser de même. C'est ouvert. On va mettre des poubelles. Voilà. Hey, c'est moi qui ai le plus de monde.
Si vous remarquez ici, là, j'ai 10 000 dollars encore. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que j'ai 72 personnes alors qu'on avait 66 au début. Ah, mais par contre, j'ai baissé à un moment donné, j'ai eu pratiquement 80 personnes. Mais c'est pas plus grave que ça. On va ajouter de la lumière. Aussi, c'est sombre. Ce que je remarque. Non, pas de raison. Où? Ouais, mais au moins pour que le monde voit quand même. C'est quand même un parc d'attraction. On veut voir de quoi. Même si c'est un jeu. Bon, ça c'est correct. C'est là. Comme de Minecraft, au moins dans Minecraft, il y a un mode où on peut aller plus vite. C'est sûr que le jeu ça n'a absolument aucune utilité. C'est sûr, mais. Ça c'est parfait. J'ai pas beaucoup de monde. Mon dieu. On va le baisser par contre celui-là à 10$. J'ai toujours tendance à payer sur E parce que ça c'est mon courir, le E. C'est aussi populaire. Très populaire. On va le baisser à 10$ pour que ça attire encore plus de monde. 82 visiteurs. 12 000$. 20$ à l'entrée, et moi je dirais très honnête. Ensuite, qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter ça, le Gravitron. Donc on aura... Oh, c'est 9 000$. C'est pas si cher que ça, finalement. Finalement, ce n'est pas si cher que ça. Ah ouais, on va l'ajouter. On prépare l'emplacement. À moins que je l'aille déjà acheter. Il me semblait que c'était pas le bon. On va faire une affaire, on va aller l'acheter quand on est rendu sur place. Non, je vais le mettre ici. Bon, j'ai le bon. Le Gréviton. On va rentrer après. On va ajouter de la végétation ici parce qu'il y trouve. On va en mettre ici aussi. Tant qu'à le dire, on peut le faire aussi bien de le faire. Un cactus. 100$. Moi qui regarde même pas le prix. Moi qui s'en fout du prix. Et qui est très important. C'est bon ça. Maintenant il reste juste à... Il me reste 2 000$. Et voilà. Ici ce sera de la décoration. On va voir le manège qui est à 14$. On le met à 6 puis on l'ouvre. Il faut que j'aurais pu le mettre correctement. Je fais F. Il y a tout le monde qui va y aller? Non? Ok. Bon, il n'y a pas un feu qui y va.
Apporte de l'eau. Juste à l'autre bout du monde. C'est juste ça le problème. Ça, ça fonctionne. Le bateau pirate qui fonctionne bien aussi, même si pour énormément d'attente. Ça fonctionne bien. Là, ce qu'on va faire, on va se promener là-dedans. Et oui. Bon. Voilà, une... moi je suis là. Parfait. Et voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. On m'avait aussi demandé à une entreprise de faire ce jeu. Et j'avais dit qu'il était déjà prévu comme vidéo. Effectivement, cette vidéo-là était déjà prévue depuis début juillet, depuis que l'autre personne m'avait proposé de faire un tutoriel. Mais finalement, j'en ai pas fait un parce que un tutoriel, quand je ne connais pas assez le jeu. Sachez qu'il y a différents modes de jeu, comme il y a même un mode de jeu YouTube. Et oui. Il y a un mode de jeu YouTube, il y a un mode de jeu... Il y en a plein. Vous allez sur Google, vous tapez Roblox, il va y avoir plein de jeux qui vont vous proposer sur Roblox. C'est juste incroyable. Je vous dis, là, c'est juste incroyable. Alors pour ça, c'est ce qui termine la vidéo avec ce coucher de soleil, ma foi, contestable. Comme je présente, j'ai 82 visiteurs, 4000$, un bon beau parc d'attractions quand même, même si t'as désiré un peu. Ça, c'est un détail. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo de Roblox, cette vidéo spéciale. Le jeu surprise, ben oui, parce que bien évidemment, ce jeu est le jeu surprise qui était prévu. Moi je reste là. Je vais juste personne ça c'est que je suis partout sauf ici. Alors pour ça je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dont la prochaine est comment bien commencer à Minecraft. Disons la dernière vidéo de la série d'été. Et ce qui termine aussi aujourd'hui les jeux que je découvre avec vous, que je teste avec vous, peu importe, pour la série d'été. Parce que on se souvient qu'à chaque 2 semaines environ, il y avait entre les deux Minecraft, bien évidemment. Je jouais à un autre jeu que j'ai jamais joué. C'est le dernier jeu. Je reste peut-être d'en faire d'autres jeux aussi à partir de septembre, mais ça va être différent. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.